Ma mère. Un salopard, hein. Arrête-moi un peu le sac. Ouais, attendez. Ouais, c'est comment? C'est ça, mais il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Tu ne connais pas combien le soutien là coûte. Ouais, faut d'abord laisser laisse ça. Laisse d'abord son soutien. Laisse d'abord. Ma mère, vous ne savez pas ce que elle et moi on a eu à faire. Laisse d'abord son laisse d'abord. Lâche-moi. Ouais, tu nous fais même d'abord le temps. Elle veut partir. Tu vois, elle avait les jambes. Toi, tu viens, tu commences à nous. Tu sais que nous, on partait où? Même si tu vends 3 sacs d'igname, tu ne vas jamais acheter ça. Tu ne veux jamais acheter ça. Tu connais quel genre de pays nous sommes? Ah, mais je ne suis pas dans le somme. Je vais te mordre. Là, enlève ta main de là. Ma mère, laisse. Enlève ma mère, ta main de là. Donc, enlève ta main de là. C'est comment avec toi? Tu sais, connaître même le problème. Tu veux les aller avec les mains avant de les écouter, non? Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Pardon, ne m'embrouille pas. Tel que si tu veux me voir, je viens avec mes copines. Si tu insistes, moi, je vais te raccrocher au nez. Tel que je ne viens plus là-bas. Si tu veux que j'arrive, je viens avec mes copines. Parce que la dernière fois, tu m'as fait boire les maltais. Je suis rentrée avec le gros vent et tu ne m'as même pas déposé. Pourtant, si tu étais avec mes copines, tu devais nous déposer. Ou bien je devais rentrer comme ça sans rien te demander. Parce que tu es en train de m'énerver. Je viens avec mes copines et je ne bois plus la maltais Guinness. Tu vas déposer soit le martini, soit le whisky. Elles sont arrivées sur Yaoundé hier soir. Ok, tu me fais signe alors. Les gens sont terribles ici. D'ailleurs, le goguenard de la dernière fois là. Il demande qu'il veut me voir. Donc moi, je dois seulement aller chez lui. Maman, il y a un bar là-bas devant. S'il ne veut pas acheter le whisky, moi, je ne pars plus là-bas. Un goguenard comme ça, donner l'argent à une personne, il est incapable. Mais acheter le vin, il va t'acheter le vin jusqu'à demain. Je vais rentrer, il me paye même pour le transport. Il ne me dépose pas pour te les véhiculer. Vraiment. Et il m'invite encore aujourd'hui. Hey. Il va nous voir, maman. On le problème, c'est que le gars t'invite, il ne te dépose pas, et puis aujourd'hui, encore, il est là. Il a encore le toupet. On va tout partir ensemble. Je t'appelle même pour voir les affaires, je ne prends pas comment. Je suis obligée de prendre. Tu m'as acheté le téléphone. Viens, on cause. Tout le monde avait rendez-vous, le père, si. Viens, on cause un peu. Je suis avec mes copines, tu sais qu'on part où? Ouais, ma mère, accorde-moi quelques minutes. Ne m'appelle plus jamais ta mère, je ne pouvais pas t'accoucher. Je t'accorde quelques minutes que toi et moi on avait un rendez-vous. Tu sais que tu es venu vers toi par rapport à quoi? Toi et moi on a un rendez-vous. Oh. Toi aussi tu sais que je suis en train d'aller avec mes copines où? Tu m'interpelles en route, ma mère. Je m'excuse d'abord. Donne-moi quelques minutes, pardon, viens on cause un peu. Fais-moi un accord. Je suis pressée, donc je ne peux même pas te donner plus d'une minute là. Tu parles ses membres. Si le serpent pas me mange là-bas, il va dire que je cherchais quoi là-bas. Il y a une cause ici là. Jordan, on fait comment? Ma, attendez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Bien, ne me touche pas, c'est comment? Tu es obligé de montrer aux gens que tu me connais. Laisse-toi donc là. Je t'écoute pas, lui. Ma mère, ça, il t'a déjà fait du mal. Je me suis pas plaint. Parle, je t'écoute. Je t'ai donné une seule minute. J'écris même des messages. Tu vois que je fais les messages. Tu m'as acheté le téléphone un jour. Je vais répondre aux messages. Répondre à tes messages, je suis obligé. Allez, je t'écoute. Et tu dis qu'on va me faire. Même si on m'envoie un téléphone, je te donne. Je reste sans téléphone. Je n'ai plus besoin. Si 25 000 que tu as demandé depuis 3 mois, tu es incapable de me donner 25 000. C'est le téléphone que tu vas me donner. J'ai soldé plus de 12 sacs d'igname pour te donner 17 000 francs. Ma mère, ce n'est pas un effort. Je t'ai dit la dernière fois quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? D'effacer mon numéro, non? De m'oublier même, non? Il faut formater mon visage dans ton cerveau. Je voulais te demander quelque chose à ma mère. Parle, je t'écoute, je suis là. Je ne sais pas, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quoi qui n'est pas bon? Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi? On t'a seulement envoyé, c'est la malchance. Je suis dans des problèmes. Quel genre de problème? Ça fait 3 ou 4 jours. Tu m'as vu. On s'est encore vu. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Je t'ai demandé de m'oublier, de formater même mon visage dans ton cerveau, n'est-ce pas? Tu viens me dire que tu as un problème. On s'est vu depuis 3 jours. Je joue sur le temps, hein. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi?
Moi, je commence à croire que tu es fou. Hein. La femme me nuit à la maison. J'ai tous les problèmes maintenant à la maison. Si tu es parti sortir avec une autre femme, ta femme t'a attrapé là-bas. Ne viens pas dire que c'est moi. Ça fait 3 ou 4 jours, on ne s'est pas vu. On ne met pas ça sur moi. Tu es même à la maison, tout ça là. J'ai même frappé le truc. Maintenant, je me retrouve dans les problèmes. Comment? Quel genre de problème? Tu ne veux pas parler. Voilà les moumous qui me moutent là, ici là. Laisse-moi. Ma mère, remets-moi. Je te remets quoi? Remets-moi, ça ne sert à rien. Si tu ne veux pas parler, moi je vais partir. Déjà, je suis en train de perdre le temps là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de me faire rater là où je suis. Là. Ma femme est rentrée, elle a perdu un truc. Elle a perdu quoi? Ta femme a perdu quoi? Tu ne veux pas parler, moi je m'en vais alors. Non, là je t'explique. Le canon. Oui. Ne m'amène pas en brousse. Ma mère, pourquoi tu peux me faire ça? Je t'ai fait quoi? Non, sérieusement, tu es en train de m'énerver. Je t'ai fait quoi? Tu ne veux pas parler. Si je veux, je me mets à partir là, tu ne vas plus me stopper. Je t'ai fait quoi? Tu ne veux pas parler. Ma mère, ma femme est rentrée. Elle a cherché certains trucs, elle n'a pas vu. Elle a cherché certains trucs. Comme quoi? Je connais que tu es une dame charistique. Je t'écoute et mes copines sont en train de me mettre la pression. Ma mère, ma femme est en train de chercher ses calissons. Une minute, pardon. Ma femme est en train de chercher sa carte, ses caressons. Remets-moi. Je demande, quand tu me regardes là, ta femme et moi, on a le même derrière. On a le même, je ne la connais même pas, je ne veux même pas la connaître. Elle et moi, on a le même derrière. Ma mère, tu sais que vos trucs là, c'est élastique, non? Donc, je suis une voleuse. Si on prend ça, on tire comme ça. Et c'est ça, c'est ta pointure toi-même. Donc, j'ai pris les caressons de ta femme. J'ai pris ses soutiens. Appelle le chien, non? Appelle Chacha. Tu m'accuses d'avoir pris les caleçons de ta femme. Tant que tu me regardes. Je n'ai pas envie de te dire. La dernière fois, tu as dit que tu allais me montrer. Mais si ce n'est pas ma femme, mieux tu me tues. Que d'aller prendre les caleçons de la femme. Pour faire quoi avec? Pour porter ça sur moi. Tu connais là où j'achète mes sous-vêtements. Ce que je porte, ta femme, même si elle fait la cotisation de combien, pendant combien d'années, elle ne va jamais acheter mes sous-vêtements. Je ne veux pas qu'on nous entende au quartier. Je suis venu tout doucement. Pardon, tu ne veux pas qu'on nous entende au quartier? Je ne veux pas que ça parle. Ça, moi-même, ça va me salir. Et toi-même, ça va se salir. Si ça me salit, toi-même, ça va se salir. Tout ça là. On a fait un truc barbare. Que ça reste entre nous. Tu ne sais pas comment je maudis ce jour. Je maudis. Le jour où j'étais rencontrée, je maudis ce jour. Ça dit, j'ai un profond regret, tu n'as pas l'idée. Moi, je vais partir parce que je n'ai rien. Non, tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Si ta femme cherche ses caleçons, on va demander à tes autres femmes où tu peux même acheter au marché, tu lui donnes. Laisse-moi partir. Tu veux qu'on s'affiche? Tu es en train de me brutaliser. Tu veux qu'on s'affiche? Tu es en train de me brutaliser. Tu es en train de me brutaliser, monsieur. Laisse-moi tranquille. Je baisse la bidon. Et mène mes propres enquêtes. Pardon? Baisse le derrière parce Anita, que... Anita, venez un peu ici là. Venez m'entendre les choses. Ma mère... Salopard, hein. Arrête-moi un peu le sac ici. Ouais, attendez. Ouais, c'est comment? Oui. C'est ça, ça. Ma mère, il y a un problème. Il y a un problème. Attends d'abord. Non, il y a un problème. Tu ne connais pas combien le soutien là coûte. Ouais. Faut d'abord laisser laisse ça. Laisse d'abord son soutien. Laisse d'abord. Ma mère, vous ne savez pas ce que elle et moi, on a eu à faire. Laisse d'abord. Lâche-moi. Ouais, tu nous fais même d'abord le temps. Elle veut partir. Tu vois, elle avait les jambes. Toi, tu viens, tu commences à nous. Tu sais que nous, on partait où? Même si tu vends 3 sacs d'igname, tu ne vas jamais acheter ça. Tu ne veux jamais acheter ça. Tu connais quel genre de fille nous sommes? Ma mère, je ne suis pas dans le somme. Je vais te mordre. Ici. Moi, je vais te mordre. Là, enlève ta main de là. Ma mère, laisse. Ma mère, enlève ta main de là. Enlève ta main de là. C'est comment avec toi? Tu cherches à connaître même le problème. Ouais, le père. Un abibagnon comme ça là, tu me foires. Le père, même s'il y a quel problème, n'est pas, on ne doit pas prendre qu'en brutalité. J'ai mal fait de m'arrêter. Si tu veux qu'on gâte, on va gâter. C'est toi qui es marié. C'est toi qui es marié. Le soutien ne peut pas résoudre le problème. Je suis à la maison comme ça, la femme dit que j'ai porté ses caleçons pour aller faire les pratiques pour vendre les. Et c'est moi que tu viens arrêter. C'est elle qui fait les pratiques. Qu'elle me laisse mener une enquête. Qui voit même que ce qu'elle porte. Et c'est quand je vais te casser la tête. C'est en route que tu vas lui déshabiller. Est-ce qu'elle a un caleçon prêt? Ok. Ça va,
ça. Qui veut gâter? On va seulement gâter. Le voilà, si tu veux rester à côté, c'est toi qui es marié. Moi, je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à perdre. Je m'en fous. Tu es une fille brune, non? Fiche-moi le camp. Tu es une fille brune. C'est toi qui es brune. C'est toi qui es brune. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Maman, laisse. Tu vas me faire quoi? Maman, laisse. Lâche-moi, imbécile. Laisse. Ouais, maman. Laisse-moi. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Attends. Moi, je ne veux pas les problèmes. Le premier jour que j'ai vu, tu as vu pratiquement plus d'un casier de bière. Ça ne m'a pas dérangé, mais les calissons là, ils ne peuvent pas laisser. Okay. Laisse-moi, laisse-moi. On va gérer le problème. On va gérer ça, pardon. Laisse bon. Laisse la voir. On peut poser normalement. Le calisson avec quelle couleur? On a bibagno comme ça là. La femme dit que le calisson avec quelle couleur? Mon frère, viens un peu. Viens un peu. Tu me pousses pourquoi? On vous envoie, tu veux me pousser pourquoi? Tu peux passer la porte. Mon petit. Ce n'est que elle qui est entrée chez moi. Lui, c'est qui? C'est le chef du quartier. Ma femme est en vacances. C'est lui qui est entré chez moi. Il est à l'envoi. On arrive à la maison, ma femme est rentrée. Quatre caleçons ont disparu. Quatre caleçons. C'est à moi que tu viens de manger les caleçons de ta femme. Laisse qui parle. Sauf que tu es la seule qui dit que tu es entrée là-bas. C'est alors qui? Je suis entrée là-bas dans quelle maison même d'abord? Tu veux pas dans quelle maison? Une porcherie dit que. Est-ce que lui porte les caleçons des femmes? C'est son problème. Elle fait quoi avec les caleçons de sa femme? Elle fait quoi avec les caleçons de sa femme? Mais c'est une femme. Elle porte les caleçons des femmes. Maman, je ne veux pas que ça devienne autre chose. Je ne veux pas que ça devienne autre chose. Je veux pas que ça devienne autre chose. Madame, écoutez d'abord sa femme. Madame, je n'ai aucun problème avec vous, hein, madame. Est-ce qu'elle t'a rien demandé? Défaut, je t'ai fait quoi? Je sors coupé. Le fait que fais ton coquille, je te... On va tout déballer. Tu voulais me mettre en spectacle, non? Voilà dans le spectacle là. Défaut. Voilà. Défaut. Donc c'est toi. Là, maintenant à la maison, c'est ça que tu appelles maison. Je suis venu ici. C'est la porcherie là que tu appelles maison. Comme mon ami supportait les papiers ici. Voilà. Comme il portait les papiers. Elle est venue donc pour la livraison des papiers. Il ment. Il m'interpelle, tu dis que je voulais la passion de ta femme. Tu as dit que je voulais la passion de ta femme. Tu m'interpelles. Tu peux voler ses caleçons. Il parlait de cartes. Elle me voit. Défaut, mes caleçons qui ont dit défaut. C'est moi qui mérite ça dans ce quartier. C'est moi qui mérite d'être au cœur du spectacle. Oh, merde! Oh, y'a quoi ici? Y'a quoi ici? Je suis en train de te dire ceci. Je ne veux pas connaître ce qui se passe. Tu es sorti de la maison le matin, tu as demandé de me recouvrir mes quatre caleçons qui ont disparu. Et c'est moi qui viens arrêter. Parce que comme tu as décidé d'importer les ignames, je me recouvre au carrefour, tu es couché sur les herbes avec les wolowos. Je suis la risée du quartier, des fois, je ne peux pas sur le feu de bois. Je suis la risée du quartier. Je suis la risée du quartier. Je suis rentré de voyage. Madame, madame,
Vous ne connaissez pas d'où je sors avec cet homme. Voilà. Vous connaissez pas de ça, ce que j'ai à souffrir derrière cet vous homme. Vous ne connaissez pas. Restez, si c'est quoi le matin? Il veut te ranger. Ne laisse-moi. Je peux te tuer. Je peux te tuer. Remettez mes caleçons d'abord. Remettez vos caleçons à votre mari. Madame, remettez-moi mes caleçons. Ok, ok, c'est une histoire de caleçons. Attends, t'expliques alors ce qui se passe, Ressé. Tu as l'autre caleçon apparemment. Il peut donner son caleçon à elle. Ne me rends pas comme ça, Bic, ne me rends pas comme ça, je suis pas là pour toi. J'ai demandé au matin, vous ne voulez pas m'expliquer. Je suis rentré de voyage. Yes. J'ai trouvé que mes quatre caleçons ont disparu. Yes. Je lui ai dit, comme tu emportes déjà les gens, peut-être que tu entres dans les mauvaises choses. Remets-moi mes quatre caleçons. Maintenant je vis. Je ne parle plus. Elle ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Je ne connais pas. Moi ne vous connais pas. Elle ne connaît pas. Moi ne vous connais pas. Mais tu connais ma maison. Je connais votre maison. Mais vous connaissez ma maison. Demandez à votre mari. Vous connaissez. Il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Oh ouais. Oh. Tout le monde connaît l'intimité d'un défaut dans le quartier. Je vais te faire. Wow. Madame. Tout le monde connaît ton intimité dans le quartier. Tout le monde connaît ton intimité dans le quartier. Bordel. Ne vole. C'est moi qui mérite ça. C'est bon, j'ai souffert avec ton papa. Ça va. Ouais, c'est quoi? Tu veux porter ma femme. Porte ma femme. Porte ma femme. Porte ma femme au rang. Je vais mourir. Mon gars. Ça, c'est bien ce que tu fais. Tu m'envoies chez Frère. Tu as dit que je préfinance. J'ai acheté un préservatif 500. Et tu ne m'as pas remboursé. Accompagne là à la maison ouverte pour lui. Lise, comment tu m'as demandé pour financer les préservatifs que tu veux utiliser? Maintenant, tu ne m'as pas remboursé ça pour quoi? Ça va, ça va. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Quand t'as galé par là, celle qui était là ici, tu l'as tiens, tu t'es mon piole avec elle, évidemment. Est-ce que c'est bien? Dans mon foyer conjugal, Nefo. Tu as franchi le Rubicon. Je vais te faire, je laisse le sol. C'est le nom de mes enfants. C'est le nom de mes enfants. Je ne peux pas souffrir avec un homme comme j'ai souffert avec toi. Tes ignames, c'est moi qui partais cultiver son champ. Non. Je suis la risée. Non, c'est moi qui l'a dosé. Je suis la risée du quartier. Le bordel a engagé moi à porter mes caleçons. Bon. Hey. Ça va, d'aime comme ça, le signe. Je vais te faire. Je vais te faire, Nefo. Je vais te faire. Quelle humiliation. Vous n'êtes là pour activer, non? Je l'active, vous n'êtes là pour activer, non? Tu as trouvé une occasion pour taguer ma femme. Sache que ça, c'est une mère de quatre enfants. Et là où elle est enceinte. Madame, excusez-moi, je n'ai aucun problème. Je suis revenu pour vous dire que je n'ai aucun problème avec vous. Mon problème, c'est ce monsieur. Et si j'ai pris vos caleçons, ce n'est pas pour vous faire du mal. Parce qu'on ne sèche pas les caleçons dehors, on ne sèche pas les vêtements dehors. Et comme vous vous attaquez à moi, je vais vous montrer que je suis une fille du dehors. Et je ne veux jamais être une fille du dedans. Je suis une fille du dehors, une fille du nez. Si tu es attaqué à une mauvaise personne, je vais faire toi vendre tout ton champ d'ignames, me construire la non, maison. Non, c'est sur moi que tu viens faire la sensibilisation. Tu m'appelles quoi, maison? Une porcherie comme ça là. Dans toi et une chouille dans une porcherie. Ma femme tranquille. Laisse ma femme tranquille. Tu as tort. Reconnais que tu as tort, mon père. Reconnais que tu as tort. Tu as dit que tu étais marié. Maman, là, qu'on insulte en plein carrefour. Un grand pied comme ça là, un goguenard comme ça, un abîme. Laisse-moi. Madame, nous sommes les porcs. Nous sommes les porcs. Regardez comment ils se ressemblent, le porc et la truie. C'est moi qu'on insulte. Mais tu mangeais le porc. J'étais connu, tu m'as mangé 9 morceaux de porc. Mais on part. J'ai fait une blague, ça a failli me prendre. Allons. Nefo, je te jure, tu vas voir, Nefo. Peut-être, mais je me suis excusé. Et moi, tu es excusé. J'ai fait un faux jeu. Le faux jeu a fait un faux jeu. Et c'est tout dans les jeux. Je vais partir de cette maison. Je vais voir ce que tu vas devenir. C'est moi qui t'aide à cultiver les ignames là. Les ignames que tu gragues les femmes dehors avec. Je m'occupe de ça. Chat mort. Chat vivant. Une femme qui a un truc comme un ravin en bas. Madame, vous allez payer. Vous allez payer, madame. Vous serez au foyer.
parler de moi, on va vous faire la même chose. Un homme comme moi, vous voulez m'amener dans l'infidélité, vous ne pouvez pas. Après ses études, il a commencé comme tout jeune ingénieur entrepreneur et aujourd'hui il est le promoteur et PDG de l'entreprise la plus sollicitée dans tout le continent. Obama Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception de plans d'architecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Elle fait aussi dans la conception des plans de construction 2D et 3D. Construction des ponts, carniveaux, forages, etc. Et cela fait plus de 10 ans que l'entreprise Obama Design ne cesse de satisfaire ses clients. Obama Design, meilleur spécialiste dans les finitions et décorations et aménagement des bâtiments à moindre coût. Obama Design, c'est une équipe dynamique d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de tous vos projets, que cela soit un centre commercial, une villa, la maison de vos rêves ou un immeuble que vous souhaitez construire. Obama Design vous livre le chantier clé à main. Et malgré son équipe d'ingénieurs dynamiques, le PDG se rend toujours sur le terrain depuis la fondation jusqu'à la finition avec une peinture de qualité de votre choix. Obama Design vous livre dans un bref délai et vous donne une garantie indéfinie. Et sachez qu'elle ne construit pas que la maison des hommes riches. L'entreprise Obama Design donne la possibilité à tous ses clients de se trouver à l'abri sous un toit en toute sécurité à moindre coût, et c'est ça qui le différencie des autres. Au-delà de toute son expérience, le PDG est aussi un grand homme d'affaires généreux qui assiste chaque jeune ayant un projet solide qui vise au développement de son pays. Avec pour devise, l'opportunité de la victoire, c'est l'attaque, les choses qui marchent vient toujours d'une audace, les gens qui ont réussi n'ont pas fait magie. Le PDG donne la possibilité d'apporter son soutien sur chaque événement, en tant que partenaire si l'événement est bien légal et juste. Il est aussi cet homme qui assiste les artistes en herbe et des artistes renommés dont je ne peux citer les noms. Sans oublier qu'il fait aussi dans les œuvres caritatives. Chaque fin d'année, il offre ses services gratuitement et fait des dons dans des établissements, tels que des écoles, des hôpitaux, centres de santé, églises et surtout plus rendre visite aux orphelinats, et faire des dons généreux accompagnés d'une prière pour la prospérité de ces derniers. L'entreprise Obama Design lutte jour et nuit pour la sécurité sociale des sans-abri, des orphelins, des handicapés et des malades sans espoir. L'entreprise Obama Design a été décorée plus de 10 fois comme meilleure en construction bâtiment dans notre continent. Elle a fait ses preuves et a été confirmée qualifiée. Désormais, si vous voulez construire, confiez vos chantiers à l'entreprise Obama Design.